Salut, c'est Sundarn. C'est toujours moi. J'ai pas changé. J'ai pas changé d'endroit. Je suis toujours face à ce roi du poulet. Et je crois que je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Alors déjà, le son du jeu est extrêmement fort. Bon voilà. Désolé. Le jeu restera fort. Bientôt la 400e. Donc quelqu'un avait dit sur le chat 450 morts au moins. C'est vrai que ça aide pas le padlock. Qu'est-ce que tu veux lock ce machin? Voilà, je le lock. Je lock sa tronche. Putain, le lock! Mais tape dedans! Je lock l'autre maintenant. Oh, attends, je peux rien faire. Il faut vraiment taper dans la tronche. Pourquoi je joue sans lock? Parce que j'arrive pas à jouer avec le lock. Trop tôt, putain.
trop tôt encore. Et trop tôt encore. Bon, ok. Ok. Bon, à mon avis, il va faire plus de trucs après. Ça commence à rentrer tout doucement, là. Je le sens bien. Je vais voir ce boss dans mes rêves. Sif, le grand loup gris sur Dark Souls 1, c'était quand même une cinquantaine de morts, hein, même plus. Je suis pas en fatrol. Je te raconte, 64%. Après, il y aura la phase 3, la phase 4. Putain de merde. Merde! Putain! J'ai essayé d'aller en dessous de lui, mais ça n'a pas marché. Putain, mais! Tu te fais chier! Allez, fais ton truc là. Putain, mais oui, mais il y en a combien? Il y en a. Salut Siloc. Il apparaît. Coup de pied. Merde, le lock.
Merde, non, 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 non. J'aimerais bien comprendre comment éviter ce feu. Je m'attendais pas à ça, j'avoue. Putain, ça lui fait rien ça. Oh, deux fois de suite! Ah putain! Sérieux là? Là y'a pas de pattern, y'a pas de timing, hein. C'est complètement aléatoire. Ça va, par contre le streamer, je sais pas. Le streamer, ça va. Ça... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, ça va. Alors attendez, parce que j'ai pas le timer de la VOD. J'en suis à... À 12 minutes! J'ai l'impression que ça fait une heure que je suis là-dessus. Heureusement que le boss est pas très loin du feu. Ça met 10 ans à se relever aussi. J'arrive pas à l'éviter ce coup. Putain, non, 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 non. Il fait un coup à chaque fois qu'il se déplace comme ça. Merde! Putain.
Y a aucune ouverture sur ce boss, quoi. L'armure du bibin d'homme oignon semble efficace. Ouais, mais j'ai l'impression que je vais mettre 10 ans à me relever à chaque coup. On sent tellement la panique dans sa façon de jouer. Hop, 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 hop. Ouh, t'as un gros bouclier, toi. Put, non, mais là, t'es sérieux. Relève-toi, bibindome. Ok, il fait un coup quand il se déplace. D'accord, très bien, j'ai vu. C'est impossible ça! On l'aura avec le bouclier peut-être. Merde! Oh là là. Quatre cents morts. Salut Shamrock. On peut lui mettre qu'un seul coup entre les esquives. Non, j'ai l'impression. Ouais. Un coup et tu te casses, quoi. Un coup, tu te casses. Un coup, tu te casses. Un coup, tu te casses. Enchaîner deux coups. Ou peut-être un truc. Mais si seulement j'arrivais à sortir mon... Voilà! Ça va trancher, chérie. Attention, ça va trancher. Le coup que j'ai découvert hier... Après une soixantaine d'heures de jeu, je découvre ça. Fuck you, fuck you, Dark Souls, ça cesse de fonctionner. Dark Souls a encore cessé de fonctionner. Donc maintenant, je quitte le jeu. Je cache le logo Bandai Namco. Parce qu'on ne peut pas l'afficher, sinon on ne peut pas monétiser la vidéo. Et ensuite, je suis là. Je reviens. Moi qui pensais que c'était enfin réglé, ben non. La preuve que non. Vous imaginez si ça m'arrive contre... Contre l'autre chevalier. Au tout dernier coup. Là, mais je rage quitte tout. Là, c'est terminé. Ou alors après, quand j'ai battu le boss. Pendant la cinématique. Ah bah je suis là. Hop. Le deuxième. Le roi sans nom. Je bats le roi sans nom et hop. Le jeu qui plante et je peux recommencer. Fais ton coup. Putain, il fait pas son coup.
Ok. L'occasion en or ratée. La prochaine fois, j'essaie le bouclier. Impossible de s'échapper de ça. De... pourri, c'est complètement naze. Le bouclier, non. On sait pas s'échapper. Bon, ok. Non. À fond. Putain, ce troisième coup. Merde! Voilà, ça c'est très mauvais ce que je viens de faire. J'aurais dû faire l'inverse. De cul. Tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Cherche pas.
C'est pas trop gourmand, une attaque en ouverture et tu roules en boule. Je crois qu'on va aller farmer. Hein. Parce que là, j'arrive à rien. Merde le coup à chaque fois. Mais attends. J'allais dire je l'ai évité, mais non, là. T'as rien évité quoi. Quel con. Non, non, non! D'accord, c'était le dernier coup à faire. Je ne regardais même pas la barre de vie. Hein. Comme connerie là. Je crois que c'est impossible ce boss à mon niveau. Le petit coup. Non! Y a aucune ouverture, putain. Il y a ça, mais non, mais non, mais non! Mais non, c'est pas une ouverture, ça! Adieu. Putain.
J'avais dit quoi, 400 morts et on se casse. Bon ben, c'est bientôt. Quelle merde ce boss, putain. Putain, pourquoi je le rate ça? Mais vas-y, fais un truc! Mais quel con, quoi! Putain! Sinon, à la place, tu peux aller taper champion Gundyr, je l'ai eu. J'ai déjà eu champion Gundyr. De merde, de merde. Sérieux là? Putain, je pouvais rien faire! Je ne pouvais rien faire! Garde la tête froide! Salut à Tsloop, merci pour le follow. Trop gourmand? Mais non! Si? Non? Si? Je commence à piger le truc! Ça va venir!
Wow! Putain, merde. Oh là là. Dans ton œil, ok, très bien. Bonsoir Romain, c'est le stream, oui, c'est le stream le plus salé de ma vie. Clairement là, putain, je pensais pas qu'il allait faire ça maintenant. Les attaques lentes, c'est chiant. Clan, je déteste ça, quoi. Ça c'était la gourmandise. Ça c'était de la gourmandise. Merde! La deuxième forme! Qu'est-ce que tu veux faire là? Salut pour Willy, tu l'as eu en 4 tries. Très bien, je te félicite. Midlife, on se rapproche, c'est déjà ça. Voilà, on se rapproche petit à petit. Mais en deux VOD d'une heure, quoi. On s'en fout. Allez, hop. Même si ça me prend 10 ans, je l'aurai. Merde, bordel, tu peux chier avec ça. Boss de fin, non.
Non. Je crois pas, non. Attends, c'est un DLC, ça? J'ai dit que je faisais les DLC à la fin. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, je peux plus fuir le combat. Avec ce prétexte. Putain, j'arrive à rien, là. C'est pas un DLC. Bon, bah, ok. C'est pas un DLC. Ça va, c'est un boss facile, alors. C'est un boss facile. Ok. Mais merde! Putain, pourquoi il fait un... Putain, tu le sens quand tu vas te faire avoir. Putain! Faire contre ça. Merde, plus de fiole d'estus. Plus de fiole d'estus. J'ai bien aimé ce combat. Je suis pas rageux, non, non, je... Non, non, j'ai bien joué. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Bonne nuit, Hadès. Il joue sans braise aussi. Oui, mais t'as raison. Là, je vais utiliser toute la braise du monde. Allez, je braise. Je m'en sors de mieux en mieux, ouais. J'ai bien aimé. Ce combat-là, ça m'a reboosté. Je suis content de moi. J'aurais peut-être dû utiliser la braise après avoir tué ce con-là. C'est lui qui fait chier. Le chevalier, ça va. Il est difficile, il y a des patterns, tout ça. Mais lui, putain!
Allô? Allô, Lightbox? On a perdu Lightbox? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, mais non, mais... Quand il fait ça, c'est deux roulades. Deux roulades et ça passe. Non, on boit pas la fiole. C'est même pas la peine. Ou alors sauter, peut-être, au dernier moment. Merde, trop tôt. Merde, putain. Putain, quel con. Voilà, non, non, là c'est moi, là c'est moi. Merde, on peut pas l'utiliser deux fois. Ah ! Plus que 4. Salut Sabéa. Le combat serait plus épique si ton perso ressemblait pas au guide Michelin. Ouais, mais. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est ma meilleure armure. C'est ma meilleure armure. C'est ma meilleure armure. C'est ma meilleure armure. On va retourner à l'Ige Feu. Est-ce que c'est vraiment ma meilleure armure? C'est un meilleur contre la foudre. Je sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Bonjour, la vieille. Ah, tu n'arrives pas à battre le dragon. Le chevalier. Le roi sans nom. Voyons voir. Ça, ça a l'air cool. L'armure de l'Est. L'armure de Morne. C'est cool ça, non? Contre quoi? Contre la foudre. La foudre 13, la foudre 13-8. Je crois qu'on va prendre un l'aume de Smoog ou je sais pas quoi. Ah, par contre, ça pèse une tonne! Qu'est-ce que je peux prendre, à votre avis?
L'armure de Gundyr? Non. L'armure de Smaug? C'est quoi ces jambières? J'ai mis l'anneau, oui, Chevalière des Ténèbres. Enfin, une approche stratégique. Jambière de Morne ou... Je sais pas, là je sais pas. Toutes les armures? Oui, mais oh non. Oui, d'accord, mais contre lui, contre ce dragon de merde là. Voyons voir. 18-8, 18-1. Allez, je prends l'armure de... Je prends ça. Total Smaug. Je me mets en Total Smaug. Salut Tony, Tony Choupa, merci pour le follow. Smaug, c'est trop lourd. Je me doute bien. Ouais. Oh non, non, non. J'ai un problème là pour me préparer là. Hey, mais c'est pourri. Attends, mais 18-3 quand même. Moi je regarde à ça. 18-3 et la foudre 13-3. Ouais. Non, c'est naze. Essaie de ne pas être trop lourd. Bah oui, c'est ça le problème. Non, mais c'est naze. Attends. Y'a pas un truc spécial contre la foudre, évidemment non. Ça sent le fatroll à plein nez là. Le gros fatroll, attention. Oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, mais là ça peut être possible. Sans bouclier, 82,1. Non mais l'anneau de Havel, je l'ai déjà. C'est même pas possible. Voilà, le bouclier, on s'en fout déjà. Mais non, mais 82,8. Est-ce que ça vaut le coup? Mais non, en plus, je gagne quoi? 0,0. Même pas 0,2 par rapport à mon armure d'avant. L'anneau de Flynn, tu dis? Non? Réduire la charge d'équipement améliore les attaques physiques. Ah, mais je suis toujours à 82,4 quoi. Alors c'est même pas la peine. Et merde. Et merde. Bon bah je crois qu'on va se casser de là. Hein. Je vais oublier ce boss pour l'instant, qui me semble complètement abusé. Bah non, c'est de la merde. C'est que de la merde les armures, putain. Il
Bon, laisse tomber. Laisse tomber, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Je sais pas. L'armure du karaté. Bon. Pas le choix, quoi. C'est pourri. C'est pourri. Bouclier, on s'en fout, clairement. Augmente les dégâts subis. J'y arriverai jamais. Go tout nu. J'ai battu Calamite tout nu sur Dark Souls 1. J'ai une vidéo qui peut le prouver. Non mais là je vois vraiment pas quoi faire quoi. Je vois pas quoi faire. Ça. Tiens, tiens, c'est moi ça. La vieille, la vieille, la vieille. J'utilise jamais ces trucs. On peut emporter que deux, c'est ça? Bon. Ou alors j'ai un anneau qui augmente la frame d'invulnérabilité, mais j'ai plus de dégâts, je crois. Je sais même pas quoi enlever. Non, laisse tomber. Laisse tomber, on y va. On claque une braise. Fallait taper dedans avant. Comment je fais là? Bon, ok. Putain, toute la vie qu'il m'a enlevé. T'es chiant, toi.
Rien compris. Ça lui enlève que dalle! Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je suis plus faible qu'avant? Non! Quoi? Mais c'est pourri! Putain, mais c'est pourri ce truc là! N'importe quoi! Allez, et on braise encore! Rassurez-moi, les braises, on peut toujours en avoir dans le jeu. Hein. C'est facile à trouver. Pas que je sois à court de braises. Salut à Norlondo l'archer. Je suis pas sûr que l'électricité soit la meilleure chose sur un boss électrique. C'est vrai que c'est un peu con ça. Oh la bombe. Résine de pain brûlé, on verra bien. Le pain brûlé. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Je pensais qu'il allait s'envoler. Ouais, vas-y, fais un truc, mais fais un truc. Mais fais un truc, putain! Oh non, mais là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, là, monsieur l'arbitre! Où est l'arbitre de Dark Souls? Là, je sais pas l'éviter. Cramé. Merde. Fais chier ce jeu. Fais chier. Fais chier. Quel boss à la con là. Dégage. Ça veut dire tu moi. C'est de la merde. Mais merde, oh, putain, tout à l'heure j'y arrivais à l'aise. J'arrive plus à rien. J'ai plus de fiole, j'ai plus de fiole, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse sans fiole quoi?
C'est mort. C'est mort, c'est mort. Pas sous-estimer la puissance des saignements, ça surprend beaucoup. Sanctuaire de l'Ichfeu. Ça? Gemme sanglante? Je suis niveau 103. Je suis niveau 103. 107! Niveau 107, pardon. Niveau 107. Ça va, je peux t'envahir. Non, non. Imprégner l'arme. J'imagine que je dois faire. Ah non, c'est pour l'enlever, la pierre de confession. Je pense surtout au rouge de Carthus. Mais je vais quand même choisir ça, tiens. Le rouge de Carthus, c'est quoi ça? C'est quoi le rouge de Carthus? Ça, c'est de la merde. D'accord. On peut essayer ça. Contrairement au boss, je te laisserai pas boire ta fiole. Je peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. Ça marche pas. Ah, la botte follow mania continue, ouais. Ton katana est déjà une forme infusée de magie. Donc du coup, ça va rien changer du tout, ça.
fait chier, quoi. Merde, la fiole, pourquoi j'utilise la fiole? Trop con. Inévitable ce truc. Putain. Putain, mais j'ai dû utiliser 5 fioles d'estus, quoi. Bordel. J'ai oublié de me mettre en braise. Merde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il a attendu exprès, quoi, cet enfoiré. Non. C'est la panique. Ok, ok, ok. J'ignorais ça, j'ignorais ça.
êtes encore là, le viewer? Je vous ignore totalement, je suis désolé, mais... Pff, putain, j'ai chaud, quoi. Ça aurait été une vidéo entière là-dessus. 1h19 de vidéo. Bon, j'y suis presque. J'y suis presque. Si seulement le dragon, là, n'était pas aussi chiant... Putain, ce dragon. Ce poulet, cette merde là, je sais pas ce que c'est. Non! Je fais trop ou quoi? Putain, je le savais, pourquoi? Attends, mais je fais troll là! Non, bois pas ta fiole. La braise, merde! Putain, j'ai oublié la braise encore. Allez, tape dedans, tape dedans, tape dedans. Merde! Mais merde, qu'est-ce qu'il fout? Putain de merde! 400 morts! 400 morts! 400 morts!